Et yo tout le monde, c'est la Trisomie qu'on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo et le premier squad du builder sur FIFA 15. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la première vidéo. Donc c'est sur l'appli web, mais la prochaine vidéo sera sur le jeu. On va se le procurer dès jeudi, dès le jour de sa sortie. Et on va commencer tout de suite. Donc c'est un squad builder de Bundesliga. J'ai essayé de faire environ, je crois. Donc ça doit faire dans les alentours de 20 000 crédits. Donc voilà, c'est une bonne équipe pour commencer donc sur ce jeu. On va commencer tout de suite avec le gardien qui est Adler. Donc Adler qui a l'air d'être un très bon gardien avec 85 en plongeon, 79 en jeu à la main, 72 de dégagement, 85 de réflexe et 80 en positionnement. Ça a l'air d'être vraiment un très bon gardien encore sur ce jeu. Ensuite, le premier défenseur central, donc c'est Giroud. Giroud qui est donc un argent, qui a 72 de vitesse et 73 de défense et 75 de physique, donc qui a l'air vraiment costaud encore sur ce FIFA Ultimate Team. Il était déjà très très bon dans le FIFA 14 et FIFA 15, il a l'air vraiment encore très bon. Ensuite le deuxième défenseur central, c'est Loukimia. Donc Loukimia, 72 de vitesse, 72 de défense et 83 de physique. Il a l'air vraiment vraiment costaud. Donc voilà, j'ai insisté quand même sur le physique pour cette défense centrale. Et ça a l'air d'être de bons joueurs. Donc le défenseur droit, on va enchaîner tout de suite. C'est un or non rare, c'est Grosskreutz, pardon. 80 de vitesse, 70 de dribble, 72 de tir, 74 de passe, 70 de dribble, 74 de défense et 77 de physique, qui est pour moi le défenseur le plus complet que j'ai vu pour l'instant dans les stats en tout cas. Ensuite dans le jeu, on verra. Ensuite, le défenseur gauche est aussi un nom rare. C'est Janssen. Donc Janssen, 80 de vitesse, 73 de dribble, 75 de défense, 78 de physique et 73 de passe. Je crois que c'est ce que je n'ai pas dit. Donc voilà, qui est aussi très complet en tout cas dans les stats. On verra dans le jeu plus tard. Donc le milieu défensif central, c'est Bérami. Donc Bérami, 75 de vitesse, 76 de dribble, 78 de défense, 75 de passe et 82 de physique. Il a l'air vraiment, vraiment très bon et ne coûte, je crois, que dans les alentours de 600 crédits. Donc c'est vraiment une bonne affaire à mon goût. Ensuite, le premier milieu central est, pardon, Darida. Donc Darida, 72 de vitesse, 79 de dribble, 70 de tir, 76 de passe. Et les autres stats sont plutôt moyennes. Mais voilà, milieu central avec de bonnes stats. Le deuxième, enfin, le, oui, le, pardon, le deuxième milieu central, c'est Jodic, pardon, 78 de vitesse, 72 de tir, 78 de dribble, 76 de passe et les autres stats sont plutôt moyennes. Mais voilà, en tout cas, il a de très bonnes stats, je trouve. Et donc, c'est un milieu central et un milieu défensif qui ont vraiment l'air bon. Ensuite, le milieu droit qui était avant milieu gauche, en tout cas dans FUT 14, c'est Elia. Donc, Elia, 91 de vitesse, 82 de dribble. Et je crois qu'il a encore les 5 étoiles de geste technique. Je vais aller vérifier cela tout de suite. Il a. Non, mince, c'est pas là. Où est-ce qu'on peut voir? Non, on voit pas là. Je pensais qu'on pouvait voir. Ah oui, voilà, c'est là. Donc il a. Pardon, je suis en train un peu de bugger là. Non, bah on voit pas s'il y a les étoiles de gestes techniques ou pas. Dommage, peut-être qu'on peut voir autrement, mais en tout cas là j'ai pas trouvé. Bref, le milieu gauche, on va passer tout de suite à lui, c'est Ibrahima Traoré. Avec 88 de vitesse et 84 de dribble, il m'a l'air vraiment, vraiment très très bon. Et je pense que c'est un joueur qui va quand même faire rager cette saison, enfin en tout cas cette année, sur FUT 15. Et le buteur, donc le buteur qui vient d'être transféré, en tout cas cet été, au Borussia Dortmund, c'est Ciro Immobile. Avec son 78 de vitesse, 76 de dribble, 80 de tir, il a l'air vraiment, vraiment hyper bon. Et donc voilà, c'est une équipe de Bundesliga qui coûte environ 20 000 crédits. Je la trouve assez convaincante, elle a l'air vraiment complète. Et donc je vous la conseille fortement. J'espère que cette première vidéo sur FUT 15 vous aura plu. Je vous invite donc à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos sur le jeu pour la prochaine vidéo. Salut!